Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Xa, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo sur le serveur d'Epicube. Et aujourd'hui on se retrouve pour tester la nouvelle map donc en PvP soft, donc la map duel. Donc c'est une map vraiment sympa, vous allez voir, donc si vous n'avez pas vu de vidéo, alors normalement je vais la sortir assez rapidement. Donc je ne sais pas si voilà vous connaissez cette nouvelle map. Donc c'est une map en fait qui consiste à faire des petits 1v1. Vous allez voir, c'est assez original, c'est vraiment un concept que j'aime bien en fait. Donc ça peut être déséquilibré comme pas déséquilibré, enfin ça dépend vraiment. Bref, donc on va être TP en espérant donc faire une bonne partie. Et puis voilà, hop, on est TP. Donc le coffre il est là, hop, voilà. Je l'avais pas vu. Hop, ok. Et puis, ouais, ok, d'accord, en fait, il n'y avait rien ici. Ok, d'accord, bon, maintenant, on va essayer... Ok, il est là-bas, je l'avais pas vu au début. Ok, il est plus qu'à 12, hein, bon. Ok, bon, il est tombé. Il est tombé, GG. Alors, je sais pas trop où il est, le coffre du mid, ici. Peut-être là-haut. Coffre du mid, ok, d'accord. Bon, on a tout le contenu, on va dire... du coffre. Donc on va se stuff plutôt bien, donc ça on va mettre ça ici, voilà, on va mettre les instants, la damage, mettre les potions et puis voilà, et puis les flèches comme d'habitude on va les mettre là pour voir combien on en a, hop, et puis on va, voilà, hop, attention au petit trou. Et puis on va faire des enchantes. Alors qu'est-ce qu'on a? On a du sharpness. Du sharpness, on a du power. Et on a également protection, protection 2. Ouais, je sais que là, voilà, on a protection. Donc on va mettre protection 1. Et ici, hop, on a interverti, ça marche mieux. Voilà, protection 2. Bon, écoutez, on n'est pas trop mal stuff. Ça pourrait être mieux, mais ça pourrait être moins bien, donc je me dis que on a plutôt bien, voilà, on a plutôt bien réussi. On aurait pu avoir la tête du mec, mais bon, il est tombé dans le vide, donc bon, ça c'est pas bien grave. Est-ce qu'on peut casser les blocs? Oui, on peut casser les blocs dans ce mode de jeu, je suis trop habitué aux guerriers maintenant. Bref, donc on va bientôt être TP, je crois que c'est entre 1 et 2 minutes, vu que ça a été accéléré également. Donc beaucoup de gens sont morts, donc en théorie, voilà, il en reste, à chaque fois c'est divisé par deux, vu qu'il y a deux mecs, à moins qu'ils se connaissent et qu'ils se tuent pas. Et puis voilà, on va bouffer la petite pomme en or, et puis on va aller fight. Alors, je vois pas trop où il est. Ah merde, fuck. Ok, d'accord, GG. On va mettre un petit GG. Puis on va récup un peu nos stuff, parce que bon, c'est stress quand même. Ok, et on a encore récup des trucs. Donc on a Bunchild. Donc c'est plutôt cool. On a encore une arming. On va remettre une épée là, parce que c'est vrai que... Ah d'accord, dans ce genre de situation, je disais, ça peut être un peu gênant. Donne, s'il te plaît, merci. Hop, voilà. Bon, on n'a pas toute notre vie, donc bon, trier le stuff à chaque fois, c'est un peu relou. Mais bon, ça fait partie du jeu, hein, également. Voilà, hop, on a un leaf sharpness. Alors, on va casser, on va mettre ça. Oh, je les ai pas récup. Ouais. Hop, on va mettre les flèches. Et on est swap, ok, d'accord. Alors, on va juste mettre... juste mettre sharpness, ok, c'est bon. Ils m'ont rien pris. Est-ce qu'il y a quelqu'un en face? Oui, il y a quelqu'un. Ok, GG. Hop, on a un petit Expelliarmus. Protection 1. Alors, il avait un full stuff enchant, je crois. Ouais, P2. Sharpness 1 également. Heureusement qu'on a fait une Sharp 2. Qu'est-ce qu'il avait d'autre? Un petit peu à se tromper deux, plutôt bien. Ok, d'accord. Bon, bah écoutez, alors j'ai pas tout récup, c'est bizarre. Voilà. Ah si, attendez, il y a encore du stuff là. Ok, non, en fait. Je me suis dit, ok, il y a encore du stuff en fait, mais non. Elle n'est pas proprement parlée ici. Bah écoutez, c'est quoi, on va se faire... Ah merde, on a pas le temps. On va se faire des bottes... protection 2, voilà,
On va bouffer une petite pomme. On va bouffer une petite pomme en œuvre. Donc on a Expelliarmus, je crois. Ok, il n'y a personne Ender. Ah si, mais attendez. Ok, GG. Donc on n'a pas usé l'Expelliarmus, c'est pour ça que j'ai fait ça. Hein. Ben Shield. On va la mettre. Hop. Donc on commence à avoir du stuff. Du stuff assez colossal. C'est ce que je veux dire. Ouais, on a des petits bots ici. Protective protection. Bon, écoutez, c'est plutôt bien. Ah, d'accord, et on est stuff final. En fait, je vais pas. Non, je cache. Alors attendez. J'aurais pas assez. Puis même, il commence à venir, il me semble. Ok, GG. Bon, écoutez, c'est fini. Bah, GG. Je peux pas ramasser l'épée, dommage. Je voulais voir qu'est-ce qu'il avait. Bref, bon, bah, on va dire un petit GG quand même. Hein. On est fair play un petit peu. Bref, bon, bah, merci à vous. Voilà, d'avoir regardé cette petite vidéo. Au final, on a eu une victoire plutôt. Ouais, non, pas facile. On va pas se vanter. On va pas se vanter. Non, mais on a eu énormément de stuff en fait. Rien que le premier coffre nous a mis bien. Il y avait des petites pommes en or, des petites potions et tout. On a même pas tout usé, c'est pour vous dire. Mais en tout cas, voilà, c'était vraiment cool. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé. N'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser un petit pouce vert et le petit commentaire. Je sais pas à combien de temps de vidéo on en est. Mais en tout cas, voilà, j'espère que ça vous aura fait plaisir. Et puis, on se retrouve très bientôt pour des prochaines vidéos. C'était Exa. Bye tout le monde.